sommes jeudi. Je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. Il est 8h30. En fait, j'avais vraiment envie de dormir plus parce que je me sens quand même un peu fatiguée. Et puis, j'arrivais plus à dormir. Voilà, moi, généralement, à partir de 8h, 8h30 maxi, j'ai du mal. Sauf si vraiment je me suis couchée hyper tard la veille, mais là, c'était pas le cas. Et bah, finalement, j'ai bien fait de ne pas me rendormir. Qu'est-ce que vous voyez? Trois colis, donc la poste va m'emmener ça. Donc il y en a deux de chez Cheers. Mais pourquoi il y en a un qui est si gros? Ah si, je me souviens ce que j'ai commandé. D'ailleurs c'est une factrice que j'avais jamais eue. Et il était vraiment hyper adorable. Franchement au top. Alors la première chose que j'ai pris, je vais pas l'utiliser tout de suite. C'est tout simplement... Donc ils m'ont pas envoyé en partenariat quoi, hein, je précise. J'en avais un pour 2017, donc en fait c'est tout simplement un agenda, non, calendrier. Je vais vous montrer un peu les images que j'ai mis dedans. Donc l'autre il est vraiment top, en plus c'est par mois, du coup vous avez assez la place de noter des trucs sur les jours. Genre j'ai noté mes vidéos que je faisais et tout, parce que j'ai les notes sur mon ordi, mais j'aimerais bien aussi avoir un peu une note papier. Et je me dis quand j'aurai des révisions à faire, tout ça, ça peut être plutôt pratique parce que j'ai pas trouvé de planeur très joli. Genre j'avais cherché chez Emma et tout, j'ai pas trouvé, je me suis dit bon bah allez. Donc j'ai fait la première couverture comme ça en vert, de toute façon on la voit pas en fait, parce qu'une fois que tu l'accroches depuis là. Donc là en fait il y a toutes les images que j'ai imprimées, elles sont noir et blanc. Et là j'ai mis cette petite phrase. Voilà voilà. Et en fait j'ai pas mis sur l'autre, j'avais mis que des photos genre de moi et tout. Et là non, j'ai mis que des photos de verdure sauf janvier, c'est des ananas. Mais sinon et j'ai mis tous les trucs en vert parce que normalement ils alternent vert, jaune et rouge je crois. Que là du coup bon, je vais pas tous vous les montrer mais voilà. Juste là c'est un petit Hello Summer. Sinon voilà, j'ai mis que ça parce que c'est vraiment genre un motif que j'adore. En plus dans la chambre il y a le bananier, tout ça, c'est vraiment genre j'adore le motif un peu tropical. Ensuite ça je suppose que c'est Octoly, on les reconnaît facilement les colis. Ah je me souviens ce que c'est. C'est un shampoing sec express à l'extrait de riz de chez Sephora. J'en ai commandé d'une autre marque aussi un shampoing sec parce qu'en fait donc j'ai testé les shampoings secs Baptiste que j'adore. J'ai testé un Chlorane pour les cheveux châtains je crois que j'adore. Et du coup je me suis dit je vais tester un peu d'autres marques pour voir. Et ensuite nous avons le très très gros colis. Il n'a pas d'ouverture facile celui-ci. Je sais plus quand c'est que je l'ai dit. Au-dessus de mon bureau en fait je vais mettre toutes mes cadres YouTube là. Donc j'aimerais, désolé j'ai plus de batterie, afficher des cadres avec mes cadres YouTube. Et j'en ai donc imprimé 3 en fait avec les mêmes images que j'ai mis dans le calendrier. Donc du coup le premier il est avec des petites feuilles comme ça et j'ai pris le contour noir. Ensuite celui-ci avec les feuilles comme ça et le contour blanc. Et le dernier avec les feuilles comme ça et le contour noir. Et en fait j'en ai déjà un avec le contour blanc que Noéline m'avait fait pour mon anniversaire. Donc en fait je vais mélanger un peu les motifs tropicaux et d'autres qui est comme ça en autre cadre. Bah du coup je vais vous montrer. En gros j'ai toutes mes trucs Octoly, donc de ma chaîne de vlog, de ma chaîne principale. D'ailleurs ils avaient dit qu'ils allaient m'en renvoyer hein, parce que c'était mal écrit, j'attends. Et là c'est mon compte Instagram de sport, j'ai celui donc de ma chaîne principale. J'ai jamais reçu celui de ma chaîne de vlog et jamais eu la notif pour pouvoir le récupérer, donc ça c'est assez bizarre. Et j'avais acheté aussi ce cadre là chez Maison du Monde il y a un moment. Donc Hello Beautiful avec pareil le motif qui ne change pas bien sûr, je l'ai mal remis. Donc là pour l'instant ça fait bazar parce que en fait j'ai tout posé là mais ça va être affiché dans ma chambre. Donc voilà, voilà, et j'ai ce cadre là, je sais pas, au début je voulais peut-être le mettre ici, mais ici j'aimerais bien en fait mettre un plus gros cadre. Et cette plante je vais peut-être la déplacer parce que je me demande si elle a pas besoin d'un peu plus de soleil que là où elle est. Donc voilà pour les petits colis du matin, là ce que je vais faire c'est que je vais me faire mon petit bowl cake que je vais prendre en regardant Plus belle la vie, et on change pas les bonnes habitudes. Sinon le ciel est un petit peu nuageux, mais bon il est 8h30 donc... que le soleil n'est pas assez levé encore. Enfin je vous ai dit que j'allais prendre mon petit déjeuner pour Plus belle la vie, mais le truc c'est que à 10h je publie ma nouvelle vidéo, c'est à dire le lookbook de rentrée, et il faut que je fasse toute la barre d'infos, c'est à dire que je trouve tous les liens, tout ça, et ça c'est vraiment très très long à faire. Donc mais enfin bon,
Il est même pas encore 9h, ça va pas non plus me prendre une heure je pense. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé du coup le bol cake, comment ça me calait, tout ça. Et en fait en ce moment je m'en fais des beaucoup plus petits. Déjà mes bananes généralement sont plus petites, où il y a même des fois je les coupais pour en garder une partie pour la déco et tout. Et surtout maintenant je les fais dans ces petits bols, voilà. Alors qu'avant je faisais vraiment dans un gros bol. D'ailleurs ce gros bol je l'ai cassé, voilà. Je peux rajouter un bol de cassé sur ma liste de choses cassées à la part. J'ai vraiment cassé beaucoup de trucs en si peu de temps, bizarrement, mais bon voilà. Généralement c'est parce que c'était posé un peu en équilibre ici, et en fait genre tu prends un truc et voilà, c'était tombé. Bref, du coup mon bol cake est assez petit, mais franchement en ce moment ça me suffit. Genre avant je mettais 2 œufs, maintenant j'en mets plus qu'un. Voilà, j'ai vraiment diminué les quantités parce que je sais pas, j'ai moins d'appétit. Bon là je viens de me détacher les cheveux parce que j'ai pris ma douche, je suis habillée en brassière, en short, tout va bien, il fait assez chaud. Là je suis en train de faire à manger, je suis en train de couper ma petite dinde, voilà. C'est quelque chose qui me dégoûte de plus en plus, avant je pouvais la tenir dans ma main. Mais non, j'ai vraiment du mal, du coup je la fais avec la fourchette et tout pour pas toucher ça. J'aime plus trop cette odeur de viande pas cuite là. Donc voilà, je vais faire ça avec poivron, curry et du riz, voilà. Bon, un nouveau colis. D'ailleurs je suis toujours en train de faire à manger et c'est assez bizarre parce qu'il m'a demandé une signature, mais ça m'a l'air d'être un collier Octoly, donc c'est bizarre. Ok, je sais ce que c'est mais je comprends pas trop pourquoi c'était avec signature. C'est trop chou en vrai, même le papier bulle il est bleu avec un petit autocollant Octoly Family. Et donc il y a des poches de glace, voilà, pour rafraîchir. J'en avais déjà eu avec l'eau de coco, donc ça c'est cool. En plus je les garde et du coup je les mets au congèle. Et donc c'est l'innocent Bubble Sparkling Apple and Berry. Donc j'ai grave hâte de la goûter, je vais la mettre au frigo comme ça sera encore plus fraîche. Bon bah voilà, ma petite assiette est prête, je vais me poser devant l'ordi, je sais pas ce que je vais faire encore. Je vais manger, ça c'est sûr. Bon bah voilà, j'ai pas encore commencé à manger en fait parce que j'étais en Skype avec Lily à la base, puis après avec mon papa parce qu'il nous fait en fait il nous l'a fini d'ailleurs, un sort de bac à compost, un peu comme il y a chez mes parents si vous suivez mes vlogs, mes très vieux vlogs. Vous avez peut-être déjà vu, et il va me faire en fait un nouveau bac aussi pour mes fraises parce qu'elles sont un peu serrées. Donc en fait il fait tout avec des palettes que mon copain avait ramené de son ancien boulot, voilà. Et il a fait ça Là, il a fait ça aussi, du coup pour le bac à compost avec des palettes qu'il a défait, voilà. Donc ça va être plutôt pas mal cool. Donc là, cette fois-ci, je vais vraiment manger. Bon, je suis en train de faire le montage d'une vidéo pour ma chaîne principale. Donc une vidéo sur mon voyage Espagne et Argelès, tout ça. On se rend pas compte, mais la vidéo fait 2 minutes. Et ça m'a pris, je sais pas combien de temps, j'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé le montage, mais... De sûr ça m'a pris plus d'une heure, ça c'est sûr, mais je sais pas exactement combien de temps, mais c'est très très long et j'ai pas tout à fait terminé parce que je vais ajouter des petites annotations avec les lieux, quelle plage, quel truc, etc. Là je faisais juste pour voir si ça correspondait bien avec la musique. Donc voilà, pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, au moins ils auront un petit aperçu des vacances rapidement. Ça y est, cette fois-ci j'ai vraiment fini mon montage, il est 17h, j'ai essayé d'ajouter tout ce que je pouvais, sauf qu'il y avait certains genre resto, j'ai pas du tout filmé un bout où on voit le nom du resto et tout. Bah je m'en souviens pas parce que c'est un resto où on s'est arrêté genre au pif un peu, donc du coup j'ai pas tous les noms mais j'essaie de mettre au maximum. Et là je vais peut-être prendre un petit goûter, je sais pas trop ce que j'ai envie de manger mais j'ai une petite faim. Je vais me faire griller du pain de mie, je crois qu'ils ont un petit peu trop grillé. Bon, je viens d'aller chercher le courrier. Oui, ça fait trois moments de courrier de colis dans la journée. Je sais pas pourquoi il y en a eu un le midi. Je me suis dit que peut-être que pour les signatures, ils venaient le midi parce qu'il y a plus de chances que les gens soient chez eux, pardon. J'en sais rien. Bon, sinon sur Amazon, je m'étais connectée. Eh, mais j'arrive pas à parler. Je me suis commandé un tapis de souris. Je le trouve trop beau. Il écrit Tropical Vibes. Parce que pour l'instant j'avais piqué celui de mon copain qui me l'a toujours pas piqué même quand j'étais en vacances. Il a l'air de bien vivre sans, écoutez. Voilà, je pense que le motif ça vous étonne pas, j'adore ce motif. Et
Sinon encore une de mes commandes Cheers, je sais pas pourquoi c'était pas en même temps que celle de ce matin. Donc là dedans il y a des petites photos et avec, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une petite lampe, donc c'est la troisième que je prends en fait. Quand vous prenez des photos vous pouvez l'ajouter en plus, elle est payante bien sûr hein. Et voilà, parce que je sais pas encore comment je vais faire ma déco. Faut d'ailleurs que j'aille acheter des punaises tout ça, parce qu'en fait j'ai rien pour accrocher ce que j'aimerais accrocher. Et vous avez été plusieurs sur Snap à me dire que ça vous intéressait une vidéo organisation de mon bureau. Donc j'aimerais bien faire la vidéo une fois que j'aurai mis tous mes cadres ici. Ça fera mieux, donc il faut que je m'occupe de ça pendant les vacances, ou absolument que je m'occupe des colis du concours. Je l'ai toujours pas fait, on est en août, mais en fait le problème c'est que si je vais chercher tous les colis qu'il y a dans ma voiture et tous les cartons que j'ai besoin, c'est une journée où il y aura du bazar partout et il faut absolument que je le finisse dans la journée parce que je peux pas laisser traîner. Donc je redoute un petit peu ce moment en fait, voilà. Voilà, toujours la même place, pourtant j'ai beaucoup bougé entre temps. Que j'ai repassé, enfin, je passais la suite dans la chambre, tout ça. J'ai rangé ma valise, des habits que j'ai ramenés chez mes parents. Ici, il y avait plein. Il y avait des cartons et des sacs, il n'y a plus rien. Sur mon bureau, il n'y a quasiment plus rien non plus, donc je suis plutôt contente. Là, je viens de monter un vlog. D'ailleurs, j'étais en train de me dire qu'il faut que je note le nom du vlog en été, quel jour. Le vlog de hier, en fait. Je suis en train de monter le vlog d'hier, comme ça, je suis plutôt à jour. Il est bientôt 7h-20. Donc voilà, au début je m'étais dit je vais peut-être tourner des vidéos aujourd'hui et finalement la prochaine vidéo qu'il faut que je tourne c'est mon haul de fournitures, oui, mon haul de mes fournitures et mes deux routines. Voilà, c'est les vidéos qu'il faut tourner principalement, qui est le plus important. Sauf que les fournitures je vais tout recevoir demain et après-demain en fait, tout ce qui me reste à recevoir, donc je vais pas pouvoir filmer ça maintenant. Je vais me prendre un jour de la semaine prochaine où je vais filmer tout ça. Enfin je sais pas si je vais filmer le même jour ou pas, mais ce qui est sûr c'est que je ne peux pas filmer en temps réel, puisque je peux pas mettre la routine le jour de rentrée, les jours pile quoi, c'est pas possible. Bref, sinon je viens de me faire peur et parce qu'en fait j'ai mis pause à la télé pendant que je faisais mon montage et ça s'est mis tout seul d'un coup, du coup j'ai entendu une voix et je me dis mais c'est qui, y a personne, tout est fermé. En fait c'était juste la télé qui avait mis play tout seul. Voilà, super. Je viens de regarder la vidéo du coup que j'ai filmée pour la chaîne principale à propos de mes vacances. Et je suis contente parce que du coup il y a, je peux mettre en, il y a la 4K sur ma vidéo, donc c'est plutôt cool. Parce que avec mon iPhone j'ai la 4K sur la caméra frontale quoi, l'autre. D'ailleurs j'ai hâte qu'il présente officiellement l'iPhone 8 là les gars. Je n'attends que ça. Parce que oui, suivant comment il est, tout ça et tout, le prix, voilà. Et ben en fait je vais vendre celui-ci qui marche encore nickelement bien. Bon là on dirait qu'il est un peu cassé mais c'est juste là. C'est la protection en verre, du coup ça s'enlève. Donc je vais sûrement le vendre avec toutes les coques, tout ça, pour m'acheter l'iPhone 8. Donc celui-ci je l'ai depuis sa sortie, ça doit faire quoi, un an et demi peut-être. Je sais plus exactement, je sais plus exactement quand je l'ai acheté. Peut-être en janvier, il y a 2 ans. Quand j'y ai à 2 ans, c'est pas ce janvier là, le janvier d'avant. Donc ouais, ça fait un peu plus d'un an et demi. Et voilà, j'ai envie de changer. Rien que, franchement, quand en Espagne ou même en Suisse, on prenait les photos avec l'iPhone de Léa qui a le 7 Plus et qu'on pouvait faire les photos avec le flou derrière et tout, franchement, c'était grave bien. À voir aussi ce qui change vraiment dans l'iPhone, parce que je vais pas racheter un iPhone juste pour une caméra bien sûr. Donc bon, on verra bien, voilà. Sinon j'ai goûté le innocent là, il est dans mon verre, c'est trop bon. Quand on le sent, comme ça en fait ça sent, je trouve que ça sent le jus de fraise, j'adore. Et il y a un petit côté pétillant, c'est vraiment super bon. Voili voilou, faut que je finisse la vaisselle, enfin j'avais déjà fait une vaisselle tout à l'heure, mais là du coup il y a tout ce que j'ai mangé à midi, enfin les casseroles, tout ça. D'ailleurs ce que j'ai fait, je suis trop mignonne hein, c'est qu'à midi j'ai fait 2 assiettes comme ça pour mon copain, il y en a une pour lui pour ce soir parce que moi ce soir j'ai envie de me manger une salade. En fait je me suis acheté, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, du tofu aux herbes, voilà, j'avais acheté déjà du tofu, mais c'était quoi du tofu, mince, j'ai oublié le nom, tofu au pesto peut-être et aux olives. Mais c'était pas du tout comme ça, enfin moi je l'ai acheté à la Biocoop et là celui-ci j'ai acheté à Carrefour, céréales bio, c'est bio tout ça, du coup je vais mettre ça dans ma salade, je pense que ça pourra être plutôt pas mal. Et je m'étais acheté des petites tomates mais je pensais pas qu'il y en allait avoir si peu, j'ai payé 3,90 pour ça de tomates cerises, parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais les tomates cerises dans une salade c'est encore meilleur. Parce qu'il faut absolument que je finisse ma salade, elle tient plutôt bien quand même, hein. C'est les salades comme ça, elles tiennent super longtemps.
Je l'ai depuis largement avant que je sois partie en Espagne, donc pour vous dire. Et avec ça, je me mettrai de l'avocat. Peut-être du concombre aussi, on verra. Enfin, quoi que je dis de l'avocat, mais comme je les ai achetés il y a pas longtemps, je sais pas s'il y en a un qui est bien bien mûr. Bref, ce soir, je vais manger une petite salade. Parce que ça suffit les McDo, tout ça, hein. Je remets les légumes à chaque repas et le soir, j'essaie de manger vraiment léger parce qu'après sinon j'ai un peu mal au ventre et j'ai du mal à m'endormir, tout ça. Donc j'essaye au max de mieux manger, surtout aussi en Espagne. Franchement, on n'a pas très bien mangé, enfin on a mangé dans les restos à chaque fois, donc on se fait plaisir. J'ai pris quand même une fois une salade, mais bon, voilà quoi. On est en Espagne, le jambon... De pays, tout ça, c'est la base, et l'huile d'olive aussi. Donc là, je vois que mon vlog a fini de charger sur mon logiciel de montage, c'est nickel, ça se monte super vite, genre même quand j'ai fait ma vidéo en 4K, c'est monté super vite. Donc du coup là, je vais monter une autre vidéo pour ma chaîne principale, il m'en reste qu'une à monter, il me semble que j'ai de déjà filmé. Donc je suis plutôt contente de moi, j'ai bien travaillé. Bon, il va pas tarder à être 19h30, donc je vais vous laisser pour ce petit vlog d'aujourd'hui de... Demain, je ne vlog pas demain, mais vous aurez quand même un vlog demain, je crois, je ne sais plus. Bon, je l'ai inquiété, et du coup, pas de vlog demain, puisque demain, pour vous, pas pour moi, mais pour vous, demain, on sera jeudi. Ce qui veut dire, nouvelle vidéo sur ma chaîne principale et pas de vlog. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à vendredi pour un prochain vlog.